mambo entreposé congolais à Kinshasa. Ma papo, Nigeria, a été créé et c'est à vous de nous servir à Kinshasa. Et la télé de la Nigeria. Ma papo, entreposé congolais à Kinshasa. Ma papo, Nigeria. J'ai créé le 7 avril 2005 à Kinshasa. Elle a été liée de la Ménisérie. Ma papo, Ménisérie, a été créé le 7 avril 2005 à Kinshasa. Elle a signé de la Ménisérie. Grâce à notre expérience, notre savoir-faire est une raison d'espoir. Nous aidons le client à créer un environnement de travail. Grâce aux études attentives des besoins, nous proposons des solutions d'aménagement et construction qui s'adaptent à tous les budgets. Attends que accompagnons nos clients et résoudre les problèmes aux besoins de livraison immobilier. En tant que consulteur et fournisseur de solutions, nous accompagnons nos clients et résoudre les problèmes aux besoins de livraison immobilier. Dès nos projets, innovation et au cœur de nos préoccupations. Lors de la conception, dès nos projets, innovation et au cœur de nos préoccupations. Et le développement, et ce soir au terme, les technologies, les fonctionnalités et l'esthétique. Nos vies sont à la disposition de nos clients pour fournir le matière première. Si ma fauteuille, boîte les peintures, les peintures de construction, et toutes sortes de blancs, les peintures de construction, et toutes sortes de blancs, maison ordinaire, semi-VIP, et VIP, tout est disponible, maison ordinaire, semi-VIP. Tout est disponible. Direction technique, Bongo Santaleur, Amingani.
les souffrances et ma parcours. Le fin des services et ma parcours. Service direction direction générale, siège social. Ça s'en va les mains. Direction commerciale. Grâce à notre expérience, notre savoir-faire est un réseau d'experts, nous aidons nos clients à créer un environnement de travail adapté à leurs besoins. Voilà, merci, vous êtes bel et bien dans votre entreprise, ma parcours Sarlet, ma parcours. Ma parcours construction, ma parcours Kinshasa, c'est bel et bien votre entreprise de la construction à Kinshasa. Donc voilà, moi je chante pas, j'ai essayé quand même d'interpréter un peu les chansons, bien que je suis auteur-compositeur de cette chanson, ma parcours. Donc voilà, mais j'aimerais aussi chanter un peu, c'est pour ça que j'ai chanté, parce que c'est une chanson qui me fait vraiment de plaisir. Donc voilà, vous remarquerez ici ensemble avec moi que nous sommes au chantier. Il y a des bruits, nous sommes au chantier Nselé, dans la commune de Nselé, dans la ville de Kinshasa. Donc la commune de Nselé à côté de Simons Plaza. On est ici en train de réaliser cet ouvrage. Il y a un ouvrage de R plus 1. Donc cette fondation que vous voyez, on a débuté il y a cela. 3 semaines avant d'achever la fondation. On est à la phase de production des parpaings. Et après la production des parpaings, on va maintenant entamer ce que c'est l'élévation des murs. Et puis coulage des colonnes ainsi que de poutres et après la dalle va intervenir. Et vous remarquerez que comme je dis souvent que la maison, la solidité de la maison dépend vraiment de la fondation. C'est vrai que nous, ici on est en train de réaliser un ouvrage d'une fondation en bloc de ciment bien sûr, c'est un bloc plein, en ciment bloc en béton, comme vous venez de voir. Et on a posé nos socles avec des armatures appropriées, de qualité qui ne sont pas de l'autre côté, de meilleure qualité pour supporter la charge de l'ouvrage. On est en train de travailler dans un sol sablé, comme vous le dites, vraiment, c'est la commune de Lancelet, c'est un sol sablé, mais c'est un peu sol marécagé. Donc voilà, on est en train de travailler et puis on a creusé dans les profondeurs voulues selon les études qu'on avait fait avant de réaliser le plan. Avant de faire les devis, on avait ce qu'on appelle l'expertise. Accessibilité de la maison, disponibilité, réalité du sol et autres. Et sur base de ça qu'on a travaillé le plan, et sur base des plans et cette réalité du terrain qu'on avait constaté qu'on a élaboré les devis, et sur base de toutes les études qu'on a fait, c'est pour cela qu'on a produit le dimensionnement des armatures, les profondeurs du socle, et comment on peut réaliser quoi la fondation. Donc voilà. Et ce n'est pas en faisant les travaux rapides qu'on a fait des devis, non. Donc, nous, nous sommes de servir nos clients à un temps record. C'est ça notre problème, c'est notre préoccupation. Le travail bien fait à un temps record. Ça, c'est nous, notre travail, notre savoir-faire. Comme la chanson vient d'épingler, parce que ma parcours, M. Macron là, travaille pas seul, mais M. Macron là, travaille avec un réseau d'experts en génie civil, les ingénieurs, ainsi que les architectes. Et c'est en base de ça qu'on a été travaillé pour vous servir. Nous sommes votre serviteur, nous sommes vos serviteurs, nous sommes là que pour vous servir. Donc voilà, chantier Nselé 111. Pourquoi 111? Parce que 111, ce sont des numéros d'enregistrement que nous enregistrons les chantiers. C'est l'ordre croissant au sein de notre entreprise. C'est pour ça que vous verrez qu'il est intitulé Nselé 111, il y a Nselé 112, Nselé 114, Nselé 90, ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça. Notre souci, c'est pour vous servir. Nous sommes là, nous ne sommes pas disparus, nous sommes là, c'est pour vous servir. Et par rapport à ça, je voulais vous montrer la route, comment la route est. Vous remarquerez que même la voiture Ketch peut entrer, mais ce qui concerne le grand car qui pèse lourd, qui transporte le poids lourd, c'est-à-dire les charges, 20 tonnes, 40 tonnes, 80 tonnes, des tonnes de sable, de caillasse, ainsi de suite. Ça pèse lourd. Là où une voiture peut passer, là où un taxi bus peut passer, mais pour les grands camions, ça cause problème. Parce que les matériaux que les grands cars transportent, ça pèse lourd. C'est pour cela, il est important, il est indispensable pour nous
premièrement, avant de faire le plan, avant de faire un devis important, indispensable, vraiment, il faut qu'on puisse faire ce qu'on appelle l'étude du milieu, l'étude du sol. On fait notre expertise. Sur base de ça, on va remarquer, on va constater sur les plans environnemental, comment vous allez placer votre maison par rapport au plan environnemental, par rapport à l'état de votre sol, s'il va supporter la charge voulue ou pas, et l'accessibilité des véhicules aussi, c'est important pour nous, parce que construire, il faut transporter les matériaux, il y a du ciment, il y a des caillasses, des armatures, des bois, des clous, ainsi de suite, il y a plein de matériaux, des tôles et tout, c'est important. Alors, tous ces arts des matériaux, ça sera transporté. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un taxibisme, néanmoins, il faut qu'il y ait un grand camion. Donc voilà, c'est important. Alors pour ça, il faut nous, en tant qu'experts, nous puissions faire notre descente sur l'île pour aller faire notre constat, pour faire notre expertise. Et sur base de ça, on saura quels sont les camions à utiliser, quels sont les matériaux à utiliser par rapport à votre ouvrage. Vraiment, c'est très important pour nous. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Vraiment, comme je dis souvent que M. Macron, là, il est là. Je suis très disponible pour vous servir, pour toutes vos préoccupations, pour toutes vos questions. Je suis bien disposé pour vous répondre. Appelez seulement dans le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. D'où vous pouvez nous laisser le message, même sur WhatsApp. Nous serons en mesure de vous répondre. Alors, ma parcours est situé dans la ville de Kinshasa, commune de Ngalima, avenue Mwanda numéro 3, arrêt DGC. Bureau Ma Parcours. Le bureau est ouvert de lundi au vendredi de 8h à 16h et de samedi de 9h30 à 13h juste. Donc voilà, pour voir M. Macoual, je suis très disponible, mais le bureau est ouvert, mais pour me voir, mieux vaut fixer un rendez-vous et sur base de ces rendez-vous-là, on peut se voir pour parler un peu plus. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. À très bientôt. Restez sur Ma Parcours 13 TV. Ma Parcours, entreprise congolaise à Kinshasa. Ma Parcours, l'industrie a été créée et c'est à vous de vous à Kinshasa. Et la télé de la menuiserie. Ma Parcours, entreprise congolaise à Kinshasa. Ma Parcours, menuiserie a été créée le 7 avril 2005 à Kinshasa. Et la télé de la menuiserie. Entreprise congolaise à Kinshasa. Ma Parcours, menuiserie a été créée le 7 avril 2005 à Kinshasa. Un atelier de la menuiserie. Grâce à notre expérience, notre savoir-faire est une raison d'espoir. Nous aidons le client à créer un environnement de travail. Grâce aux études attentives des besoins, nous proposons des solutions d'aménagement et construction qui s'adaptent à tous les budgets. Attends que accompagnons nos clients et résoudre leurs problèmes aux besoins de la maison immobilier. Attends que consultants et fournisseurs de solutions. Nous accompagnons nos clients et résoudre leurs problèmes aux besoins de la maison immobilier. La con.
conception dès nos projets, innovation et au cœur de nos préoccupations. Lors de la conception, lors de la conception dès nos projets, innovation et au cœur de nos préoccupations. Dans la recherche et le développement, et ce soir au terme, les technologies, les fonctionnalités et l'esthétique. Nos vies qui sont à la disposition de nos clients pour fournir le matériel premier. Si ma fauteuille, boîte les peintures, les peintures de construction, et toutes sortes de blancs, les peintures de construction, et toutes sortes de blancs, maison ordinaire, semi-VIP, et VIP, tout est disponible, maison direction commerciale, il tient sa gamme. Direction technique, Bongo centrale, Amigani. Très en désouffrance, les mapacos, le fond des services. Direction commerciale, Kinshasa Ngafula.